nous allons restaurer le respect des présidents, le respect du poste de président. Et nous allons réconcilier tous les anciens présidents vivants. Dès le lendemain de notre prise de pouvoir, nous irons les voir chacun pour leur dire, nous n'avons pas pris le pouvoir pour que vous cessiez d'être président. Nous avons pris le pouvoir pour que vous puissiez contribuer au développement de notre pays. Et c'est ça le fait que nous devons conserver le socle de notre héritage, l'héritage du développement de notre pays.